D'aucuns ont un pleur charitable. Pour Jésus, né dans une étable, je sais un sort plus lamentable. Je sais un enfant ramassé un jour de décembre glacé, nu comme un ver dans un fossé. Il est nuit, pas une voisine n'offre sa grange ou sa cuisine à la pauvre mère Angésine, malgré sa mine et son danger. Qui donc voudrait se déranger? Elle est en pays étranger. Donc depuis l'étape dernière, se traînant d'ornière en ornière, elle va, bête sans tanière, bête à garde qui s'enfuit et cherche à tâtons un réduit, les yeux grands ouverts dans la nuit. Ses reins lui pèsent, ses mamelles que gonflent des cuissons jumelles sont pleines comme des gamelles, son ventre où flambe des charbons, sans l'enfant, fils des vagabonds, qui veut sortir et fait des bons. Elle va quand même plus lente, tirant ses pieds lourds dont la plante saigne. Elle va folle, hurlante, sous les boules, roule au fossé et maudit le mal exaucé par qui son flanc fut engrossé. La face au ciel comme en extase, elle se tord, son cou s'écrase sur les cailloux et dans la vase, elle accouche enfin en crevant. Et le gueux, nouvel arrivant, grelotte et vagit en plein vent. Le vent est dur, sa chair est nue. Aucune étoile dans la nuit ne vient saluer sa venue. Pas de mage, pas de cadeau, de crèche, de berger badaud. Il est seul, couché sur le dos. Comme un supplicié qui clame, tout noir près du cadavre blême, sans personne au monde qui l'aime, et par sa mère au ventre ouvert, je jure le front découvert, que l'autre n'a pas tant souffert.